Bienvenue en Normandie, à Deauville, qui a accueilli mi-septembre et pour la première fois le Lacoste Ladies Open de France. Direction le golf barrière de Deauville, un parcours qui a déjà reçu l'Open de France masculin en 1931 et 1956. Lacoste Ladies Open, en effet, est une aventure pour nous. On souhaitait avant tout pouvoir accueillir à nouveau une épreuve professionnelle de golf sur le golf barrière Deauville. Dans le passé, il y a déjà eu l'Open de France, l'Able Match Play. Le parcours a été créé en 1929 par Tom Simpson, au cœur d'une très belle destination qui est Deauville, adossée à l'hôtel du golf. Le golf féminin et barrière matche bien, je pense, en effet, notre vocation d'élégance à la française, de tradition, je pense, s'inscrit bien dans cette démarche féminine. Avant tout, le parcours aujourd'hui, ce par 71 de 5900 mètres, je pense, s'adapte surtout bien au jeu moderne féminin. Le Lacoste Ladies Open de France pose donc ses valises sur le parcours Diane Barrière pour 3 ans, avec la volonté de casser les codes et de replacer Deauville sur la carte du golf mondial. Recevoir cette épreuve, pour nous, permet de mettre en avant en effet la destination de Deauville. D'ailleurs, l'accueil de ce tournoi se fait en partenariat avec la mairie de Deauville. Deauville aujourd'hui est une destination mondialement connue. Et en effet, mettre en avant la qualité de notre parcours de golf, la qualité des structures barrières, hôtels, casinos, spas, est un bon moyen pour nous voilà, durant cette épreuve. En effet, Lacoste a souhaité certainement moderniser, je trouve, l'image du golf qu'elle peut avoir par moment, en ouvrant le golf et le terrain à un lieu d'exposition de différentes cultures en lien avec le golf, comme nous pouvons le voir. Je trouve que c'est une très bonne idée et ça embellit encore plus ce parcours. Nouvelle destination, synonyme pour les joueuses de nouveaux parcours. Signé Tom Simpson, le tracé Diane Barrière est plus court que le parcours des Châteaux du Médoc, hôte du Lacoste Ladies Open de France pendant près de 4 ans. Annelise Caudal dispute cette semaine son 18e Open de France. De Arras à Deauville, la joueuse basque a joué l'Open National sur 5 parcours différents. J'ai atteint la majorité de l'Open de France, donc il serait temps de le gagner. C'est bien de découvrir un nouveau parcours, c'est un nouveau challenge, nouveau défi pour tout le monde, donc ça c'est assez intéressant. Et c'est vrai que c'est quand on joue plusieurs années sur le même parcours, on voit les filles qui performent sur ces parcours-là. Donc cette semaine c'est nouveau, donc on va voir, ça va être intéressant de voir qui va être en haut du leaderboard. Même découverte pour Emma Gréchy, 16e l'an passé sur le golf du Médoc. Ben, c'est un super parcours, vraiment différent du Médoc. Il est un peu plus étroit, il faut bien poser la balle à la mise en jeu, les greens ne sont pas faciles, il faut trouver les bons axes, les bonnes tendances de jeu. Ensuite, sur le green, voilà, bien placer la balle au bon endroit pour ne pas avoir des putts trop compliqués en retour. Donc va falloir vraiment livrer un très bon golf. Moi, le 11 m'a tapé dans l'œil parce qu'il est stratégiquement un peu... très intéressant. Après, la beauté, il y a beaucoup de trous qui sont très beaux avec la jolie vue sur Deauville là-bas. Donc c'est vrai que c'est super plaisant d'être ici. Un Lacoste Ladies Open de France où l'on retrouve 19 Françaises au départ, dont Céline Boutier, 14e joueuse mondiale et tenante du titre. De manière générale, quand on revient sur un parcours où on a gagné, on a quand même des bons souvenirs. Et c'est vrai que là, c'est un peu différent vu que je ne connais pas du tout le parcours. Donc, c'est difficile de me remettre en mémoire et de me projeter sur des coups que je n'ai pas encore faits. Mais du coup, ça, je trouve que c'est aussi bien pour moi parce que ça me permet de repartir à zéro et d'aborder ça comme un autre tournoi, comme un nouveau tournoi. C'est un tournoi important. Après, c'est vrai que c'est une décision un peu plus difficile que ça. Du coup, c'est vrai que j'ai vraiment pris mon temps pour prendre la décision de venir ou pas, parce que c'est pas toujours facile de faire des allers-retours. Et
C'est vrai qu'il y a aussi d'autres tournois LPGA en même temps, donc c'est pas facile de choisir. Après, c'est vrai que le fait que j'ai eu la chance de le remporter l'année dernière m'a quand même un peu poussé pour venir défendre mon titre cette année. C'est vrai que c'est un peu plus de pression, je dirais, mais je pense que le fait qu'on a changé de parcours et qu'on change de cadre, ça m'aide aussi un peu pour me dire que c'est vraiment un autre tournoi. C'est vrai que c'est une sensation un peu différente de défendre son titre sur un parcours différent. Du coup, je vais vraiment essayer d'aborder ça comme un autre tournoi, en fait. Un Open de France où l'on retrouve également Lucie Malchiran, 26e il y a 2 ans pour sa grande première dans l'épreuve. Cette année-là, la Française avait même été en tête après le premier tour. Depuis, l'Open de France est forcément une semaine spéciale pour la joueuse d'Aix-en-Provence. C'est difficile de faire abstraction à 100%, mais c'est un tournoi du LED comme un autre. Donc j'essaye de l'aborder de la même manière que les autres. Je suis avec mon papa, j'ai un ami à moi qui me connaît cette semaine, donc toujours ma petite bulle habituelle. Et bon oui, il y a beaucoup de Français, ça parle français, donc forcément c'est un cadre différent du reste de la saison, mais j'essaye de l'aborder comme les autres. Cette année, Lucie Malchiran vit sa 2e saison sur le Ladies European Tour. Une année 2021 marquée notamment par une première victoire sur le circuit alors qu'elle n'était encore amateur. Mais tout n'a pas été si simple. Je suis pas sûre de l'avoir complètement digéré. J'apprends encore de mes erreurs de l'année dernière et j'essaie de garder que le positif de l'année dernière et de cette année. J'ai eu des changements de coach aussi qui ont pas mal influencé sur mon jeu. Je connaissais pas les parcours, je connaissais pas les joueuses, enfin je connaissais pas la vie sur le LED. Donc au fur et à mesure j'apprends, ça reste que ma 2e année. Il y a des filles qui sont là depuis 10-15 ans, donc elles ont eu le temps d'apprendre à digérer le tour. Moi, c'est que le début, mais je m'éclate. Je suis revenue avec mon ancien pro, Julien Fritz, et là, ça se passe très bien. Je commence à reprendre la confiance que j'avais en mon grand jeu, parce que ça a toujours été mon point fort. Donc j'espère réussir à regagner cette confiance et repartir comme avant, quoi. Déjà, moi, j'ai de la chance. Cette année, il y a pas mal de jeunes qui sont arrivés sur le LED parce que du coup, le LED commence à avoir une vraie ampleur. On a 30 tournois pendant la saison, donc ça attire beaucoup plus de monde. Il y a des vraies dotations, non tellement les tournois Aramco, etc. Cette année, il y a Lynn Grant, Maya Stark qui joue sur le tour avec nous. Lynn Grant qui est top 40 mondial, même plus que ça, je crois. Maya, pareil. Il y a des jeunes, donc la dynamique est différente cette année, mais l'année dernière, j'ai eu un petit peu de mal à m'intégrer sur le LED. Enfin, du moins, ça a été vraiment un changement radical. Je suis passée de jouer tous les internationaux que je connais depuis que j'ai 13 ans, 12 ans avec mes copines, comme des Espagnols, des Italiens que je connais et que je fréquentais depuis des années. J'arrive sur le circuit, les filles, elles sont là vraiment pour faire leur métier, quoi. C'est beaucoup plus professionnel, ça a une dimension de « je suis pas là pour me faire des copines, mais pour gagner ma vie ». Donc ça a été particulier l'année dernière, mais cette année, je me suis fait des amis, du coup. J'ai mon papa qui m'accompagne très souvent. Ma maman essaie de venir aussi un peu. Donc, j'ai une meilleure dynamique cette année, disons. Je me suis mieux intégrée. Jeudi, premier jour de tournoi et un parcours Diane Barrière qui fait plus que se défendre. Dans des conditions automnales, seulement 38 joueuses sont sous le par. Dans leur Open national, les Françaises se portent bien et l'on retrouve 5 bleus dans le top 10. Comme Anaïs Messonnier, 4e après le premier tour. J'aime bien. J'aime beaucoup, on est à la maison, on se sent détendu et à la fois un peu stressé parce qu'on a envie de bien faire, mais c'est plutôt une atmosphère que j'aime bien. Bah, on va dire d'une certaine manière, c'est notre open, c'est notre public, donc on a envie de bien marcher devant eux et de faire de son mieux. Donc c'est sûr, enfin, c'est plus ça qui fait qu'on a envie de bien faire sur ce tournoi, je pense. J'ai eu vraiment un long jeu qui a été très très bon. Et autant dire que hier, c'était pas la joie au niveau du long jeu, depuis quelques jours en fait.
Mais les scores sont quand même plutôt corrects, donc on essaie de garder un peu confiance et de rentrer à 100% dans les coups et de dérouler. Hier, j'ai eu une petite séance de practice avec mon coach par visio et j'ai pu recaler ça aujourd'hui. Donc j'avais déjà un peu plus de confiance en mon jeu aujourd'hui et ça a déroulé. Si Anis Caudal rentre comme il faut dans la compétition en signant également une carte de 67, la belle histoire de cette première journée est écrite par Nastasia Nadeau. Encore amateur, la joueuse d'Aix-les-Bains s'offre la tête du tournoi en moins 6. C'est clair, là, on peut dire que je suis sur un nuage puisque bon, là c'est mon troisième tournoi du LED seulement. Donc j'arrive un peu, personne ne me connaît, je suis amateur, voilà. Et puis sortir ça comme ça, c'était pas prévu, j'ai envie de dire, mais c'est incroyable. Ouais. Le premier tournoi du LED que j'ai fait, c'était au Jabra là, cette année. Donc je prenais un peu mes marques, j'avais un peu la pression au début, je me sentais pas forcément à ma place au milieu de toutes ces joueuses, c'est les meilleures joueuses européennes. Je ne me sentais pas forcément à ma place. Et puis là, à force d'en jouer, j'ai envie de dire, même si c'est que le troisième, je commence à être un peu plus à l'aise et un peu plus à ma place finalement. Le lendemain, il faut essayer de repartir de zéro et de se dire, bon, ok, on a fait une journée, c'est super, c'est 18 trous. Et bien demain, c'est un nouveau 18 trous qui commence et on repart comme si de rien n'était. Le plus dur commence ? Oui, on va dire ça. Encore un tour, un deuxième tour après. Donc non, on ne va pas se reposer sur ses acquis et on va continuer à aller de l'avant. Et comme Nastasia Nadeau, on retrouve 5 autres joueuses amateurs dans le champ de ce Lacoste Ladies Open de France. Des invitations glanées sous l'impulsion de Gladys Nocera, coach des équipes de France. Objectif, prendre de l'expérience. Bah, les joueuses qui en bénéficient, c'est celles qui vont passer pro à la fin de l'année. Donc ça leur fait un début d'expérience, même si elles ont déjà joué des tournois pro, ça leur fait une expérience de plus. Et les plus jeunes, il y en a deux des championnats du monde. Et puis il y a Inès Archer en plus. Bah, c'est continuer en fait de jouer des tournois sur des champs élevés, d'utiliser tout ce qu'on a vécu cette année pour continuer d'évoluer, de progresser, d'un peu se situer aussi par rapport aux joueuses pro de ce tournoi. J'ai comme objectif de passer pro à la fin de l'année, passer les cartes. Donc c'est vrai que me mesurer un peu au meilleur du LET, c'est toujours bien de savoir où on en est et ce qu'il faut travailler encore. C'est encore grâce à Glin hein, qu'on nous voit, c'est elle qui nous permet de jouer tout ça, donc c'est bénéf. Hein. Découvrir ce nouveau monde, donc voilà, après on verra bien ce que ça donne. J'y vais avec l'ambition de faire le meilleur et puis voilà quoi. Évidemment que l'expérience, on en accumule toute une vie, mais il faut aussi performer. Donc je pense que là, il y en a deux, trois qui ont vraiment à cœur de réussir ici. C'est notre Open national et c'est vrai que faire un pet ici, c'est génial et c'est une grande fierté. Donc je pense qu'elles ont passé un été fort, elles ont vécu plein de choses et maintenant elles ont hâte de continuer d'évoluer et de parfait. Quoi. Le deuxième jour est synonyme de cut pour les 108 joueuses du champ, où seulement les 65 premières seront qualifiées pour le troisième et dernier tour. 4 sur les 6 amateurs vont valider leur ticket pour le dernier tour, et au final, ce sont finalement 10 tricolores qui se qualifient pour le samedi. Avec un score de 68, moins 3, Amy Perronin grimpe dans le top 5 de l'épreuve à moins 6 total. Beaucoup de vent, oui, mais le jeu était là. Moins 3 avec 3 bogeys, mais 3 bogeys vraiment très facilement évitables, notamment sur le dernier trou où
coup de pitch pour le green et je loupe le green, une belle sortie de bunker et un putt à 2 mètres resté court en ligne. Donc non, il y avait beaucoup de choses à faire, beaucoup de putts pour birdie très courts qui ne sont pas rentrés. Donc il y avait beaucoup de place pour faire mieux. Donc j'ai vraiment bien joué, j'ai bien frappé la balle, je me suis mis près des drapeaux, donc j'ai eu beaucoup d'opportunités de birdie. La même chose hier, donc le score pourrait être plus bas, mais on verra ce qui reste demain. Je suis déjà contente d'être pour l'instant en top 5, donc on verra. Belle journée également pour Céline Boutier. Associée depuis le début de la compétition à l'anglaise Megan McLaren, deuxième après ce deuxième jour, la 14e joueuse mondiale s'accroche pour suivre le rythme de son adversaire. La joueuse du LPGA, le circuit américain, laisse parler son expérience et sa patience. Recette payante pour Céline qui signe une jolie carte de 67, moins 4, grâce à un ultime birdie au 18. Le birdie du 18 améliore la situation, on va dire, mais c'est vrai que c'est aussi une journée compliquée, il commençait à y avoir pas mal de vent et il faisait super froid ce matin. Mon cas, je trouve pas que c'est un mauvais score et c'est vrai que je me donne une chance pour demain, donc c'est le principal. C'est vrai que c'est pas toujours facile d'être en tête pour le dernier tour, mais c'est vrai qu'on se sentirait un peu plus à l'aise quand même, parce que c'est vrai que j'ai joué avec Megan les deux premiers jours et c'est vrai qu'elle a vraiment un jeu solide, surtout au niveau du putting, donc c'est vrai que je sais que demain il faudra que je score plutôt bas. Ouais. Devant, Megan McLaren rend donc une carte de 67, vierge de tout bogey, et se retrouve deuxième du tournoi. En tête, on retrouve Inès Laclalèche. Déjà devant après le premier tour, la Marocaine confirme son bon début de tournoi. Carte de 66, moins 5, et les commandes du Lacoste Ladies Open de France. Je suis très contente de mon score, finir à moins 5. J'ai démarré la journée pas top, j'étais pas très sereine sur le parcours. Je tapais pas super la balle, c'est comme ça, hein, le golf, des fois tu te réveilles et tu découvres ce qu'il y a, le menu du jour. Donc c'était pas génial. Et je suis restée patiente, j'attendais que ça clique, les putts rentrent et c'est ce qui s'est passé au retour. J'ai enchaîné 4 birdies suivis qui m'ont vraiment remise dans la partie. Et voilà, du coup, je finis moins 5 pour la journée. Déjà auteur de 4 top 10 sur le LED cette année, la Marocaine sera pour la première fois de sa carrière en dernière partie d'un tournoi du Ladies European Tour. Je savais pas trop à quoi m'attendre, mais j'avais des attentes assez élevées. Plutôt très élevé même, c'est toujours bien de les mettre élevés, après que tu les achieves ou pas, c'est un détail, mais je le fais d'avoir mis mes attentes assez hautes, je pense que c'est ce qui m'a permis de faire de bons résultats comme ça. Je suis très contente de la manière dont je joue cette année, de l'expérience, en fait j'apprends vraiment chaque semaine, tous les jours c'est des petits détails qui peuvent coûter un point, deux points et qui font que tu joues mieux la semaine d'après. Donc je suis ravie de la saison. Autre nouveauté dans ce Lacoste Ladies Open de France, l'apparition d'une formule alliance. Durant les deux premiers jours, des amateurs ont pu partager la partie des joueuses professionnelles pour une expérience inoubliable. Guy Forget, ancien joueur de tennis, a eu la chance de faire partie de l'aventure. C'est formidable, d'abord parce qu'on joue dans un cadre exceptionnel, avec des championnes qu'on voit parfois à la télévision, et puis tout d'un coup on se retrouve dans une partie avec elles. Alors on essaye d'être à la hauteur, on essaie de ne pas les déranger, mais elles sont dans l'ensemble toutes hyper sympas, alors que même si nous on s'amuse, elles c'est leur boulot, elles sont là pour rendre une carte et marquer des points. Pour les amateurs c'est vraiment très très sympa, même si on est tous un petit peu tendus, on ne veut vraiment pas les gêner, mais de vivre ça de l'intérieur avec elles, c'est un des seuls sports d'ailleurs où on peut, je dirais, être sur un terrain de compétition et les observer alors qu'on joue avec elles. C'est pour ça qu'on joue aussi, le petit pincement au cœur, on a envie de bien performer. Et puis de temps en temps on fait des coups comme elles, alors on se dit « Ah ça y est, là c'est bon, je sens un truc » et puis tout d'un coup, hop,
ça se délite un petit peu. Donc on passe 4 à 5 heures à essayer de maîtriser ses émotions, de bien contrôler son swing. Et c'est la magie du golf, hein, je dirais. On s'amuse, on prend du plaisir. Le golf, c'est une passion, mais elles gagnent leur vie. Elles sont là pour... elles sont en pleine compétition, donc... elles sont sympas de nous accepter avec elles. Nous, ce qu'on veut surtout pas, c'est les déranger. Donc des fois, je joue, j'attends, qu'est-ce qui se prévient. Non. Mais là, elles ont été très cool dans l'ensemble. Donc elles arrivent à concilier les deux et ça, c'est vraiment sympa. Donc un grand coup de chapeau à elles. Samedi 18 septembre, c'est le dernier jour à Deauville. Le public est au rendez-vous et les joueuses n'ont qu'une idée en tête, inscrire leur nom au palmarès de l'épreuve. La concentration est palpable et la dernière partie, la Clalèche McLaren-Boutier, attire les foules. Mais le spectacle est sur tous les trous. Et un peu plus tôt, Anaïs Messonnier réalise une belle remontée. La joueuse d'Arles signe 4 birdies pour une carte finale de 66. Messonnier termine 4e et sauve son droit de jeu sur le Ladies European Tour. C'est vrai que j'ai plutôt tendance à revenir quand je suis plus dos au mur et que je sens que là, il faut vraiment revenir. Donc ouais, j'ai plutôt tendance à être bien accrocheuse et... Parfois ça marche pas du tout, parfois je lâche complètement, mais si j'arrive à accrocher, ça se déroule plutôt bien. C'est un tournoi qui me plaît beaucoup, c'est à domicile, j'aime bien jouer avec des gens qui suivent aussi. C'est bon, la pression, ça met un peu plus de pression, mais j'aime bien jouer avec de la pression. Ça donne envie de vendre du beau jeu, on va dire. Je suis contente de ma semaine. Le long jeu était bon toute la semaine. J'ai pris beaucoup de greens encore aujourd'hui. Et le putting, il n'a pas été présent forcément toute la semaine, mais il a été présent en fin de partie. Et on a quand même pas mal besoin de ça quand on joue. Et surtout quand on sent que bon, ça peut se jouer à un ou deux points pour faire un top 5. Donc je suis plutôt contente de ma semaine. Devant, c'est une joueuse indienne qui fait parler d'elle. Dishka Dagar réalise la performance et la remontée du jour. Avec 8 birdies sur sa carte et un bogey au 18, la joueuse de 21 ans signe un brillant 64, moins 7 et s'invite sur le podium du tournoi. Dans la dernière partie, la lutte est acharnée entre Megan McLaren, à la recherche d'un 4e succès sur le Ladies European Tour, et Inès Laclalèche, rookie et pour la première fois en dernière partie. Les deux joueuses se rendent coup pour coup, mais c'est finalement l'anglaise qui craque. Le bogey au 17 de McLaren, seulement son 2e de la semaine, est le tournant du match. Dos à dos, 18 à moins 14, le play-off tourne finalement à l'avantage de la Marocaine. À 24 ans, la Clalèche s'impose pour la première fois sur le Ladies European Tour et devient la première Marocaine de l'histoire à soulever un trophée du circuit européen. En fait, j'ai pas les mots, je suis un peu sous le choc. J'ai passé une excellente journée, c'était exceptionnel. J'ai pas pensé à la victoire tout au long de la partie, mais je suis sans mots en fait. Ouais, j'étais heureuse d'être pour la première fois leaders au premier tour, leaders au deuxième tour et d'avoir une chance de jouer pour la victoire. J'étais très reconnaissante par rapport à ça. Et Megan avait une longueur d'avance parce qu'elle a déjà été dans cette position plusieurs fois. C'était une première pour moi, mais je suis très contente de la manière dont j'ai géré ma partie. Moi, je suis restée patiente parce qu'il y a pas mal de potes qui ne sont pas rentrés. Elle avait 2 coups d'avance à un moment sur moi. Et voilà, un grand boost en confiance pour le reste de la saison et pour les années à venir aussi. Alors, je suis très heureuse.